Moi, j'ai regardé un peu les tweets qui sont balancés sur vous. Toi et tes petits chiens de copains, vous êtes la 5e colonne israélienne, sale traite, tu mérites d'être signé comme un porc. Comprends vraiment pas que ce type soit toujours en vie. BHL, faites-vous plaisir, achetez une corde et faites-en bon usage. Enfin, je pourrais continuer comme ça, il y en a plein. Non, mais le premier, j'étais bourré, pardon. On est quand même. Elisabeth Tessier, bonsoir. Vous dites quoi sur l'Irak dans votre bouquin, là ? Tu prévois tout ? Saddam Hussein, il est possible qu'il soit éliminé en mai. Il est dans le rouleau compresseur là depuis octobre, surtout. Ouais. Franchement, oui. Bon. Il y a des menaces qui pèsent sur lui. Voilà. Et attends, c'est pas si. Les dernières pour le mois de mai, elle avait dit qu'il y aurait du muguet. Moi, j'écoute parce que. C'est pas un point de vue, hein. Dommage que tu n'aies pas été ETAIT. Tiens, on voit les imbéciles qui écrivent ça. Attaché à l'une de ces bombes. Non, mais... En plus, c'est faux parce qu'il est très attaché à une bombe. Oui. Ah, ça, voilà la première. Voilà, enfin, ma fille se réveille. Vous êtes la nouvelle fiancée de Paul Lou Sulitzer. On est très heureux de vous connaître. Donc, la première rencontre, ça se passe chez des amis. Et donc, voilà, donc... La baise, c'est à Disneyland. C'est marrant. De répondre. Mais c'est quel manège ? Je connais pas ça. C'est Small World. Ariel Dombal et BHL interview les amours. Alors ça, c'est une demande de... Bon, jamais on poserait ça aux amours. Ah bon ? À quel âge Bernard a-t-il eu son premier rapport sexuel ? Et on rappelle que la famille ne compte pas. Mais tu peux avoir un joker. Ça veut dire quoi, un joker ? Un jeu de fruits. Tu peux dire celle-là, je peux pas y répondre. Ne répondez pas à ça. Entre votre première rencontre et Disneyland, il s'est passé combien de temps, Eva ? C'est quoi, c'est à quoi ? Un mois. Un mois, mon pote. Un mois pour la Disneyland de Paris. Ouais, c'est sûr, vous n'êtes pas une fille facile, parce que un mois, c'est... Il y en a qui auraient couché au parc Astérix, hein, quand même. Alors, à Disneyland... Attends. Alors, Bruno, est-ce que vous allez faire votre promotion chez Laurent Ruquier ? Forcément. Vous allez recroiser votre ex, Christine Angot. À l'époque, il y a quand même une aventure avec Christine Angot. L'aventure, c'est l'aventure. Bruno, réponds. Écoute rien. Non, j'ai très envie de savoir. Bouge pas. Bruno, Bruno, donne les détails. Bruno, sois clair. Vous avez baisé la Bruno fond, a dit, au sujet de Christine Angot. Éloge des écrivains maudits. Qui sont ces écrivains maudits, Patrick ? Oh, ils sont 80 à peu près. Bon, ils ont mal terminé pour la plupart d'entre eux. Soit ils sont morts très jeunes, soit ils sont suicidés, soit ils ont eu des addictions fortes à la drogue, à l'alcool, à autre soit chose. Soit ils co-animent votre émission. Voilà. Ou ils ont fait des mauvais choix politiques. Et là, ce soir-là, dans cette petite chambre de Disneyland, vous lui faites découvrir une Eva sensuelle, voire un peu indécente à certains moments. Space Mountain. Bah, j'aurais bien espéré. Alors, vous êtes dingue de foot. On a des photos chez vous. Alors là, on voit, par exemple, les chambres. Voilà. Ce sont les chambres chez les Domenech de Nice. C'est là où elle fait des passes. Le salon. Vous êtes connu, mais en Angleterre, pour une série télé qui s'appelle The Book Group, ouais, sur Channel 4. Elle joue l'épouse d'un footballeur qui découvre d'autres horizons après avoir lu L'Alchimiste de Paolo Coelho. Il y a beaucoup de footballeurs qui lisent Paolo Coelho. Bon. Alors qu'on n'a jamais vu Paolo Coelho lire les mémoires de Luis Fernandez. Saskia, il y a le problème Rabiot déjà. Ouais. C'est-à-dire que ce connard a écrit une lettre à Giroud. Oh, faut pas dire ça, c'est un môme. Ouais, c'est un gamin, il a fait une bêtise, Ouais. C'est sa mère. Sérieusement, l'histoire de la sextape de Valbuena. Vous, ouais, vous avez été blanchi, évidemment, vous avez chié pendant des années. Oh, bah pas tant que ça, hein. Si, si. Mais Benzema aussi, il a été blanchi dans l'affaire. En mai 2002, vous subissez, Laura Flessel, un contrôle antidopage tout à fait classique. Vous apprenez, pas par la fédération d'ailleurs, mais par le journal L'Équipe, que votre contrôle était positif. Le problème, pour être tout à fait clair, c'est que cette histoire vous a fait perdre, Laura Flessel, vos sponsors. Peut-être que ce soir, elle va retrouver un sponsor si un laboratoire pharmaceutique nous écoute. Alors, au niveau du look, on voit des photos, vous avez vraiment des looks absolument insensés. C'est incroyable. Alors, vous piochez, en fait, dans les cultures des pays que vous traversez pour créer votre style. C'est une fille qui a fait ça. Oui, c'est une jeune créatrice parisienne. C'est vachement bien. Qui était interné depuis.
Alors, quand Laura, en septembre 2002, le tribunal disciplinaire à Lausanne vous condamne quand même à 3 mois de suspension, c'est quand même... Ferme. Il y a un préjudice financier et moral. Ouais. Juste un petit exemple, je travaille avec des enfants et il y a 2-3 jours, il y a un enfant qui me dit « Mais vous savez, en fait, il ne s'est pas rendu compte que c'était moi. » Donc on a parlé, on a tiré ensemble et puis finalement... Ça, c'est plus que 3 mois, hein, le mineur. Hein. Alors vous, Audrey, vous jouez Anne, présidente de la République, oui. En plein baby blues. Il y a une scène où vous discutez de plans sociaux avec un chef d'entreprise en changeant les couches du bébé, quoi. Vous avez vraiment tourné à l'Élysée, ce film ? On a quelques décors de l'Élysée, ouais. Oui. C'est oui, dingue. Brigitte nous a accueillis. Et Brigitte super. Vous a aidé ou elle avait Non, elle changeait le petit, elle peut pas être partout. Clotilde. Aujourd'hui, on peut encore faire un enfant à 75 ans. Rien, le problème, c'est pas le faire. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, il a eu ses derniers, il avait quel âge quand il a adopté... Ah, il les a pas fait. Non, mais bon, c'est ses enfants, quand même, c'est ses filles. Et ils vont tant. Je trouve ça criminel. C'est pratique pour la mère qui va acheter les couches pour les deux, quoi. Ah ouais, vraiment. Ouais, c'est ça. Il faut pas se tromper de taille. Alors bon, ça marche pas très bien, revient Sophie, vous retournez faire des études jusqu'au BEPC, et là, en 65, il y a ça. Bravo, ma fille, 40 ans après, ça marche toujours. C'est incroyable. Hein. J'ai fait énormément larguer quand même. Hein. Premier titre, Reviens Sophie. Ouais. Après, j'ai crié Aline pour qu'elle revienne. Mais ouais. Tu pues de la gueule ou quoi? Pourquoi elle se barre tôt, toi? Je remarque, alors dans la télé, tu appuies sur play pour lancer des magnétos. Ici, tu appuies sur rien. Ah oui, il y a un mec, et pas n'importe qui. Philippe Stark, quand même un grand créateur internationalement connu. Un jour, je le vois, il me dit, mais je comprends pas, comment tu fais quand tu fais ça pour que ça tombe pile sur le truc? Et ta femme te le dit aussi. Ouais, exactement. Attention, Master G. Je demande un replay, Thierry. On demande un replay en régie. En contestation. C'est qui? Les Pussycats. Serge, on a tous envie de baiser, mais en vrai, c'est qui? Catherine Barman n'est pas d'accord avec Serge. Le plateau est beau, si je peux ça te permettre. Plaît vraiment, oui. Bah, c'est la dernière fois que tu le vois, parce qu'à la rentrée, il y aura un nouveau décor. Ah putain, mais non, mais en tout cas, la déco est belle. Vraiment, on dirait une brocante chic. Tu sais, moi, je suis à deux doigts de partir avec un vase. Ah, vas-y, serre-toi. Non, mais elle a un prénom, hein. Jolie plante. On continue, Mousti. Maringue. Oui, bravo, Baby. Oh non, c'est dégueulasse. Bon alors maintenant, celui qui va trouver ça va être le grand gagnant de la soirée. Concentre-toi, José. Allez, José, c'est maintenant. José, c'est maintenant. Allez, va te raser, ça va commencer. Qu'est-ce qui gagne? Est-ce que le fait d'être devenu un symbole de la liberté d'expression vous donne pas envie, là, de raconter une bonne blague sur Mahomet? Est-ce que vous avez une bonne blague sur la Shoah, par exemple? C'est très touchy, quand même. Hein. Ouais. Chaque humoriste... Les femmes battues, c'est pas touchy. Chaque humoriste s'impose... Non, mais encore une fois, tu peux pas me dire ça. Là. Je vais juste revenir que j'étais viré pour non, une blague. Non, mais en tout cas, ça, ce que voilà. Je trouve qui est pas enfin, mal, le principal, c'est qu'il était viré, quoi, après. Voilà, ça, au moins, c'est une réussite. Voilà, bon, après ça, donc après Aline, après les marionnettes, quelques morceaux, vous disparaissez des hit-parades et des bacs à 10, vous quittez la scène Yéyé, vous quittez votre appartement dans le 16e arrondissement, vous allez habiter à Juvisy, dans un petit pavillon à côté de celui de vos parents. Juste en face de l'école des filles. Puis... Ouais, ce que pas mal tu me dis en même temps, oui. C'est vrai, et là, les affaires de pédophilie arrivent. On commence. On a dit qu'on n'en parlait pas de la boulette. Alors, votre livre s'appelle « Blague à Tex, viré pour une blague ». En voilà 300. Il y a une blague par page, tac, tac, tac. Ouais, c'est facile à lire, c'est écrit gros. Je peux en lire une? Ouais. Au restaurant, un homme appelle la serveuse. Il sort sa bite et la met sur la table. Mademoiselle, je voudrais un steak gros comme ça. La serveuse lève sa jupe et fait saignant comme ça. Non mais, ce qu'il faut dire, ce qui est horrible. Vous connaissez Christophe? Bien sûr. Hein? Ah oui, c'est souvenir. Un maître. Ah ouais, c'est un maître. Ah, un maître. Pas plus. Pardon? Bien. Un couple de clochards dorme sous un pont. Oui. À tâtons, la femme fouille dans le sac de couchage. Elle lui dit, chérie, tu bandes? Il lui répond, non, je chie. Alors, vas-y, fais-en une troisième. Je vous rappelle qu'il les invente toutes. Il les a... C'est toutes celles que tu refourgues à Bigard. Ah, c'est pas vrai ce qu'il vient de faire. Oh, le connard. Oh, non, 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 non
J'ai fait une rencontre très forte avec un éditeur. Je marchais sur Boulevard Saint-Germain et je téléphonais avec un éditeur de chez Grasset. Et tout à coup, il me dit « Écoute, je suis obligé de te laisser parce que je suis au ski au Chili. » On raccroche, je fais 100 mètres et je le vois traverser Boulevard Saint-Germain. Je me précipite, je me retrouve en face de lui. Je le regarde. Il dit, qu'est-ce qu'il fout au Chili? Et il vient vers moi. Non, encore mieux.